suis désolé. J'ai connu la circulation. Tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, écoute, les grilles de l'entrepôt seront ouvertes de 11h à minuit, d'accord? Mes gars seront à l'entrée, tu t'occupes de rien. Tu fonces à l'intérieur et il n'y aura pas de lézard. T'angoisses pas, pourquoi tu t'en vas? Mais je m'angoisse pas. Merde, oui, je m'angoisse, tu sais très bien pourquoi. Ok, où il est ton chargement? Allez, on t'en a des déchets toxiques à balancer. Tu vas avoir des problèmes ou quoi? Les problèmes, c'est toi qui vas les avoir. Tu vas à New Jersey, tu me jettes ça. Dis donc, c'est un crime fédéral, ça. C'est moi qui prends tous les risques. C'est pour ça que je te paye. C'est pour voir. Va voir l'environnement, tu verras ce que ça te coûtera. C'est tout ce que t'auras, tu dois être là-bas. T'es complètement dingue, tu veux vraiment faire péter le bordel? Vous là, stop. Une minute. Conduis doucement, essaie d'écraser personne aujourd'hui. Ok. Ah, allez, on y va. Dans le tunnel de l'amour. Allez, pousse-toi. Juste quelqu'un. Territory beyond.
L'aventure vous attend. Territory Beyond. L'aventure vous attend. Territory Beyond. L'aventure vous attend. Territory Beyond. L'aventure vous attend. Je suis fatigué d'être moi. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? Les ventes accusent une baisse moyenne de 12%. L'élargissement de notre segment de marché des jeunes consommateurs urbains aux propriétaires aisés de véhicules tout-terrain... Oui, ça je le sais. Dites-moi plutôt ce que je ne sais pas. Il faut qu'on cartonne dans la croche des GRP. Et pour ça, peu importe le support choisi. Aujourd'hui, les résultats de la campagne de test prouvent qu'on va truster. Écoute, branche le décodeur, Elliot. On doit la passer au Super Bowl. Premier carton. Au Super Bowl. Ça va nous coûter la peau des fesses. Il faut mettre le paquet, Roy. Il faut parier gros, on n'a pas le choix. D'accord. Dans le premier carton, coupure de 60 secondes. Et 30 secondes dans le deuxième. Tu veux qu'on parie ? Alors on parie. John Hope, on y va. On ne sera pas en retard ? C'est bloqué partout, mais si on prend le tunnel, on sera pile à l'heure. Bah pour le tunnel. Allez, Cooper, voilà. Tu es gentil, c'est fini. On va passer une belle journée en ville. Ah, le bon Dieu. Tu sais, même si c'est un très bon spécialiste, tout est floqué par terre avec ses heures de voiture. Il a horreur de la voiture. Ça le rempâtera toute une semaine. Il n'emmènera plus chez ce charlatan à Golfneck. Mais voyons, Eleanor, il est parfaitement capable. On ne sait même pas de quoi souffre ce chien. Qui le connaît mieux que moi ? Une personne étrangère ? Allons de ce côté. Si tu veux. Je crois que j'ai une idée. Laquelle ? On va aller chez Rumpelmeyer. Cooper adore leur place à la Manisse. Ah, c'est une très bonne idée. T'es là, toi. Ils m'ont serré pour vol. Et toi, t'étais dans le rouge sur ton compte ? Non, je fourguais des téléphones mobiles avec des numéros clonés. Et t'as piqué combien dans la caisse ? J'en sais rien, 200, 300. T'avais un flingue ? Non, je lui ai fait du gringue. Bien sûr que j'en avais un, t'es barge ou quoi ? Tu sais, moi je vendais 5 à 10 téléphones par semaine à $50 pièce. J'utilise pas de flingue. T'as qu'à multiplier ? J'ai encore multiplié, tu me prends pour un taré ? Pourquoi ils t'ont chopé si t'es si malin ? Je crois que j'ai fait une bourde en payant ma BMW cash. C'est dans un cabaret de Manhattan en 1918 que ce tunnel a été dessiné sur une nappe par Edward Trammell.
Les travaux ont débuté en 1921 avec des milliers d'Irlandais fraîchement émigrés qu'on surnommait les cochons de sable. Ce tunnel passe à 8 mètres sous le lit du fleuve qui repose à une profondeur de 24 mètres. Papa, ça. Combien de fois vous êtes allés en vacances, toi et Linda? Ashley, cette fois, ça suffit. Tu sais, ma chérie, Linda, c'est fini. On est à nouveau une famille unie, c'est ça l'important. Qu'est-ce que c'est que ça? On en tient un pour en direct de préparer une équipe. À toutes les unités de New Jersey, je veux que la sortie soit bouclée pour une Cadillac noire qui passe juste en station numéro 7. Mon salaud, je t'aurai. Barre-toi!
au-dessus. Non, ça va, t'inquiète pas, les secours arrivent. Ils vont se soigner. Toi, à l'ambulance. À l'ambulance. Mon père est coincé dans la voiture. Il ne peut pas sortir. Il y a du sang partout. Monsieur, s'il vous plaît, sortez-le de là. T'inquiète pas. On va tirer de la note. Regarde-moi. Essayez de bouger, je compte jusqu'à toi, prêt. Je veux que tu m'aides, prêt. Attention. Un, deux, un. Voilà. Attention à sa tête. Tiens-moi. Ah, c'est fini. C'est fini, gros diable. C'est les balles. Ça va aller, bon, je suis un garrot. Je le sers bien. Toi, tu vas le tenir. Tu le sers le plus possible, d'accord? Oui. Faites voir. Il est mort. Écoutez-moi, il y a le brûlé au deuxième degré là-bas, elle est mort. Et vous là, il y a une hémorragie là-bas, il faut une perfusion. Où allez-vous? Qui vous tenez? Vous étiez chauffeur de taxi. Eh oui, je suis chauffeur de taxi, il a besoin de vous, allez voir. Passez-moi le tensiomètre, amenez-le d'abord. Amenez-le. Amenez la lampe. Éteins ce feu. Nom de Dieu. C'est ça. Tu devrais te tirer d'ici avant que quelqu'un te voit. C'est passé, une bombe. Un accident, j'ai entendu parler de déchets toxiques, mais rien de confirmé. Et comment c'est, côté New Jersey? Ah, Boucher aussi, c'est pareil. Tout a été liquidé jusqu'au poste de péage. Où est votre chef? Il est juste en face de moi pour ce qui me concerne. Non, je te parle de ton nouveau chef. Le dispatcher a dit que Mr. Calicorn y tente de déblayer le passage à mi-fleuve dans le tunnel sud. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. À mi-fleuve? Ouais. Hé, hey, la tour 1, surveille tes arrières. George, c'est moi, réponds où tu es, c'est grâce à l'appareil, George. Oh non, réponds. George, s'il te plaît, George, où tu es, George? Mais tu comprends pas? Tu travailles plus pour nous, fourre-toi ça dans le crâne! Oui.
Wilson, attends. Laisse-moi, c'est pas la peine. Il pourrait faire arrêter. Est-ce que tu t'en... Il faut faire exploser le toit du tunnel. Tu dois leur parler. Tu me dois bien ça, Frank. Je compte sur toi. Votre attention, s'il vous plaît. Les autorités ont décidé de faire évacuer le tunnel sud. Ramassez tous vos objets de l'heure et fermez vos véhicules. Évacuation du tunnel sud. En direction de la sortie de Jersey. Il n'y a aucun danger, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Alors s'il vous plaît, pas de panique, il n'y a aucun danger. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors évacuez le tunnel sud. Alors, raconte. Désolé, chef. Le passage est bloqué à 10 mètres. La structure est dans un tel état que je risquerai même pas à m'éteindre. Et avec une excavatrice, on progressera c'est en même temps. C'est pas faisable, c'est dangereux. Je vais te dire, le mec qui affirme que c'est pas faisable a toujours l'air d'un con moment ou un autre s'apprête à le faire. Ça représente mal. Donne un peu de mou. Thank you.
C'est toi le secours, tu biches. Non, non, c'est impossible. Je suis seule. Pour le cadavre.
Je veux savoir qui vous êtes. On s'est rencontrés il y a 3 ans. J'avais fait une simulation d'attaque terroriste. Ah oui, ça y est, la Toura. Oui, oui, je me souviens. Et vous avez été viré l'année suivante. Mais maintenant, vous appartenez aux équipes médicales. Non, c'est pas ça. Tout à fait. Quel est pas le niveau d'oxyde de carbone? Attendez une seconde. Vous n'avez pas le droit de pénétrer ici. Je sais, mais quand on a fait cette simulation, j'ai crapahuté dans les moindres recoins de la structure et je crois que je peux vous être utile. Donc, comment elle est? Le taux de renouvellement est 1,5 million de mètres cubes par heure, ce qui fait tout juste le 20e de la normale. Et la situation s'aggrave. Ah, génial. Je vais vous retrouver. Des pièces de repos là-dedans, des chapelles, des cuisines, ils avaient tout ce qu'il faut. Tout a été muré après la rénovation de 72. Frank, Wilson t'a dit le temps qu'il lui fallait pour faire son passage? On n'est pas prêt de le savoir. Il y a 20 minutes, un éboulement a écrasé Mr. Californie comme une crêpe. Humeur. Qu'est-ce que vous en dites? On n'a aucune idée des dommages subis à mi-fleuve. On ne peut pas utiliser des explosifs. Il faut employer les moyens classiques. Mais pour une éternité. Le temps de faire un autre trou, je dirais 10, voire 12 heures, minimum. Quelle est leur réserve d'air? 3 heures, maxi. 3 heures, maxi. Bon, Franck, je sais ce qu'il faut faire. Tu vas envoyer quelqu'un mettre les survivants à l'abri des fumées le temps que toi, tu dégages le passage à mi-fleuve. Qu'est-ce que t'en dis? Franck, c'est toi le nouveau chef ou quoi? Oui, Kit, c'est moi le nouveau chef. Alors décide. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, comme ça tu seras pas obligé de témoigner au cours de l'enquête, c'est bien ça? Je viens pas me mettre ça sur le dos, d'accord? C'est du passé, je vois pas du tout le rapport avec la situation actuelle. Non, tu te trompes, j'ai dû trancher comme tu dois le faire aujourd'hui, j'étais dans la même situation que toi. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Te pose pas de questions, on a plus que 3 heures. Plus que 3 heures. Est-ce que t'as envie d'y aller? Donne-moi le feu vert. Oh, non. Les accès au tunnel sont bouchés des deux côtés. Si jamais on le perce au milieu du fleuve, alors là, il se brisera comme du fer. Par où vous allez entrer? Par là. Principal, chef. Quelqu'un t'entend? Allô? Je vous entends.
Il y a quelqu'un en bas. Mon Dieu, vous m'entendez? Georges! Bon, répondez-moi. Combien de personnes sont encore en vie? On est à peu près une douzaine et on est à peu près au milieu du tunnel et il y a un type là qui nous a dit qu'il trouverait une sortie. Un truc à mi-fleuve, une sorte de passage. Non, écoutez-moi. Dites-lui de ne pas y aller. Dites-lui qu'on vient vous chercher. Vous pouvez le faire. Dites-moi si vous le pouvez. Allô? J'ai plus rien. Viens, Franck. Vous avez 2 minutes et demie pour passer. Ils sont calés avec une fonction linéaire. Le ventilateur 1 redémarre après 1 minute. Les 2, 3 et 4, l'un derrière l'autre, toutes les 15 secondes. Vous me suivez? Ouais, c'est clair. Eh, il y a quelqu'un dans ce tunnel qui s'appelle George Tyrell. Dites-lui bien, je veux qu'il me ramène mon bracelet. D'accord? Tout le monde est prêt, on attend les ordres. Prêt à couper le système. Entrez le mot de passe. Carnegie Deli. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Les 4 ventilateurs. Kate, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien du service. Il n'y avait rien de personnel. C'était ton frère, Frank. C'était forcément personnel. Je t'en ai voulu. Je te demande pardon. T'es pas obligé de le faire. On dirait que tu me parles comme si t'allais plus jamais me revoir. Tu n'as peut-être pas tort. Appuyez, 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 appuyez. Il faut l'arrêter. Appuyez, 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 appuyez. Blanche, je vais les gorger.
prendre le café? C'est les secours! Papa, on est sauvés! C'est pas croyable! Super! Où sont les autres? Y a personne d'autre? C'est une blague. Ah non, c'est pas vrai. Il ne peut pas être tout seul. Vous ne pouvez pas être tout seul. Oh non. Alors, il y en a d'autres qui arrivent, oui ou non? Où sont les autres? Se va-t-il loin que je rêve? On va sortir de là. On va sortir de là. Non, c'est pas possible. Et où est le reste de l'équipe? C'est lui l'équipe. C'est pas vrai. Il y a que vous. Il y a que vous. Et moi? C'est vous la femme au Tokiwoki? Vous êtes l'homme à qui j'ai parlé tout à l'heure. Je croyais avoir été clair en demandant que personne entre là-dedans. Mais excusez-moi, la ligne n'était pas très bonne. Il y a combien de personnes là-dedans? Une seule, il est tout seul. Tu vois pas, c'est à moi qui parle. Et qui êtes-vous? Je m'appelle Latora. Qui est dans ce trou? Il y a un homme là-dedans, et c'est Roy Nord en personne. C'est une galerie instable, faut aller le chercher. Où tu vas? C'est moi qui commande. Très bien, tu veux commander, tu commandes. Ça peut s'effondrer à tout moment, cette galerie n'est pas sûre. Ceux qui l'emprunteront sont certains de tout prendre soin. Laisse-moi vous dire que ce n'est pas très sûr ici. On ne peut même plus respirer, merde. Il faut qu'on s'arrête là tout de suite. Calme, je sais que vous avez passé du temps dans ce tunnel, je le sais bien, mais tout ce que je vous demande, c'est d'être patient. Un peu de temps encore, d'accord? Faites-moi confiance, d'accord? Alors sortez-nous de là, pourquoi est-ce qu'on perd du temps ici? Prenons le chemin pour lequel c'est vous êtes passé. C'est pas possible. Si vous avez pu le faire, on n'y arrivera. On ne va pas continuer à respirer ça. Je suis passé par les ventilateurs. Si j'arrête encore les systèmes, on est tous morts. Ça, c'est une réalité. C'est impossible. Et par là aussi. Roy est déjà au sommet. Roy sera bientôt dans le trou. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Je t'ai dit qu'ici, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Est-ce qu'elle a compris? Salim, lâche-le tout de suite. Lâche-le. Laisse-le. T'es une malade ou quoi? Allô, Serena? Serena, c'est Roy. Pour l'instant, non. Je crains d'avoir un petit problème sur le chemin d'aéroport. Ouais, écoute, attends. Avant qu'on soit coupé, il faut que je te dise... Fais attendre l'avion à Tiboro et convoque la presse à Denver. Dis-leur que j'ai une cassette vidéo à leur montrer. Non, Jono est mort. Ouais. Écoute, je dois y aller. Thank you.
même sur pas ma tête. Oui, monsieur, je vous assure, toutes les équipes médicales sont arrivées sur là. S'en occupe. S'il vous plaît, silence. S'il vous plaît, un peu de silence. Vous allez la fermer. Fermez-la, tout le monde. Le passage à mi-fleuve vient de s'effondrer. Ça y est, nous voilà maintenant en hauteur et au sec. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Dans une situation telle que celle-là, ce qu'il y a de très très important, c'est que vous sachiez exactement ce qui va se passer. D'accord? Ce qu'on veut surtout pas, c'est une nouvelle surprise. Alors, voilà ce que je vais tenter. Toute cette partie, je vais faire en sorte qu'elle tombe. Résultat, ça étouffera l'incendie et ça colmatera la fuite d'eau. Et comment comptez-vous faire ça? Je vais utiliser un explosif. Attendez, attendez, laissez-moi vous expliquer. Votre explosion, c'est ça votre idée? Là, dans cet endroit. C'est pas étonnant que des gens soient morts à cause de vous. Steven. Si quelqu'un a une meilleure idée, c'est maintenant qu'il faut me la donner. Je vous écoute. Monsieur Latoura, vous ne savez pas quel dommage la superstructure a déjà subi. Alors comment êtes-vous sûr que tout le tunnel ne va pas s'effondrer? J'en sais rien, je ne sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne survivra pas une heure de plus à moins de faire descendre en entier cette partie-là. Et ça, je le sais. Bon, maintenant, il nous faudrait quelqu'un pour aller du côté Manhattan, voir si les secours ont progressé, d'accord? Vous êtes volontaire? J'ai une famille, je ne l'abandonne pas. Pourtant, ça, tu le fais très bien. C'est bon, j'y vais. C'est moi qui connais le mieux l'endroit. Et vous êtes blessé. Et n'oubliez pas de rapporter le bracelet. Quoi? C'est bien vous, George. Oui. Grace veut que vous lui rapportiez son bracelet. Elle vous a dit ça? Bonne chance. Elle est incapable de garder un secret. Dites-moi, c'est bien vous qui avez tenu ce câble électrique? Oui, mais c'était une chose très différente. Sur le moment, je ne savais pas ce que je faisais, sinon peut-être... Ah, j'apprécie beaucoup que vous avez besoin d'aide, mais je ne sais pas si... Vous savez qu'il faut de sacrés trucs pour avoir fait ça. C'est quoi votre nom? Madeline. Madeline, j'ai vraiment besoin de votre aide, compris? Regarde. Regarde cette résistance au contrat. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Brooklyn Queens? Qu'est-ce qu'on fait à cet endroit? Il faut percer. On perce? Il faut qu'on perce. D'accord. Plus aucun signe de vie des survivants. Je me trompe? Les lignes téléphoniques ont fondu et on n'a plus aucune liaison par Tokiwoki. Est-ce que je me trompe en disant qu'à cet instant précis, vous ne pouvez pas m'assurer qu'il y a des survivants? Oui ou non? Ils étaient trois au bas mot! Il y a des heures de cela. On est obligé de percer par Manhattan. C'est le consensus qui se dégage au service technique. Consensus, mes fesses! Qui est-ce? Ce tunnel ne tient plus que par un phénomène de contre-pression. Comment vous appelez-vous? Son nom n'a aucune importance. L'important, c'est ce qu'elle a dit. Madame London, si vous faites intervenir l'équipement lourd et causer une baisse de pression, le tunnel est susceptible d'imploser totalement. Pure spéculation. Je vous en prie, madame, laissez-nous encore un peu de temps. Désolée, on n'a plus le temps. Ce tunnel est une artère essentielle. Le sang de la ville transite par cette artère. Si vous essayez de réguler le flot d'un demi-million d'automobilistes circulant dans cette ville sans pouvoir utiliser ce tunnel, vous aurez de gros problèmes. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que parce que vous avez un problème de circulation automobile, vous allez nous faire abandonner les recherches? Madame, on doit continuer les recherches. Les services techniques ont pris leur décision. Nettoyez-moi ce merdier. Vous en sortez très bien. Vous trouvez? Je suis mort de peur. Peut-être, mais vous faites face. Je vous assure vraiment, vous devriez prendre quelqu'un d'autre. Ces trucs-là, c'est pas ma spécialité. Non, 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 il y a peu de gens qui auraient attrapé ce câble comme vous l'avez fait. Oui, mais j'avais pas le temps. Non. C'est comme la première personne qui a dû avaler une limace, vous imaginez? De quoi vous parlez? Imaginez! Le premier qu'on a mangé fait crever la dalle, il n'avait rien d'autre à manger. Ah. C'était ça, ou mourir de faim. Ah. Vous me suivez, Madeleine? Oui. Mais ça a l'aspect visqueux, en plus c'est vivant, et puis ça sent mauvais, puis c'est franchement dégueulasse, il a dû vivre un moment de vérité. Puis il a manqué de décide à l'avaler, vous me suivez bien? Oui. Mais ça y est, c'est le moment de vérité. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'en ai vraiment besoin pour survivre. Et il devait manger, alors il l'a avalé. C'est ça, bordé couille, et vous en avez. C'est censé être un compliment, oui, ça? D'où vous venez? Le bord, hein, Indiana. C'est quoi votre boulot? J'écris, j'essaie de faire monter mes pièces, mais le problème, c'est que personne ne va plus au théâtre. Vous venez la partie? Oui, je renonçais, je... Dites, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Si ça se trouve, je ne pourrais pas la supporter, mais d'après vous, on a une chance. Madeleine, je ne serais pas là si je ne croyais pas qu'il y en ait une. Je vous le jure. Promis. Je vous le jure, faites-moi confiance. On y va.
reste là, on reste là. Moi, ça compte pas, tirez-vous. Moi, ça compte pas. Je ne peux pas me faire dire.
gagnera. Tu te débrouilles très bien. Oui, formidable. Si on fait ça tous ensemble, tout est possible. Allez, faites ce que je vous dis. Ouais, d'accord. Allez, attention, 1, 2, 3. Explosion dans les meubles du Bronx. Non, elle a... Comment on est arrivé les premiers sur les lieux? Non. Que parmi nous, certains ont dit laisser tomber. Probablement qu'ils sont tous morts. Elle a lu ce passage où je disais pourquoi on est entré. Elle a préféré celui qui me donne tort. A explosé au moment où on sortait. J'ai perdu 3 hommes ce jour-là. Parmi eux, il y avait le frère d'un ami. Elle a parlé de la presse, de l'enquête, des funérailles. Il n'y a plus qu'à remplir les plans faciles pour un écrivain. Vous n'avez jamais su comment on sortirait d'ici. Il faut que tu m'aides. Ces cabines de repos dans le tunnel, on peut y entrer?
J'en sais rien, George, je sais que t'es blessé. Mais réfléchis. Il paraît que les cochons de sable avaient des cabines d'or pour tenir 36 heures d'affilée. Tu sais peut-être qu'il y a une trappe, un soupirail ou, je sais pas, une échelle, n'importe quoi. Il y a une cabine d'or pour... Cabine où ça? Cabine 4, du côté du Jersey. Cabine 4. Bon, surtout restez bien groupés. Je vais chercher la cabine. George. Ouais. Merci. De rien. Avec toi. Tu as déjà vu un chien? Ma mère, elle aime tout ce qu'il y a sur Terre, à l'exception de deux choses, les chiens et moi. Tu m'étonnes, elle s'est peut-être déjà fait mordre. Moi, tu m'as bien mordu. C'est pas grave, je suis tatouée et vaccinée. Tu habites où? Le Maryland. Le Maryland? Ouais. Oh, le Maryland, c'est canon. Tu sais, si jamais on s'en sort, je me disais qu'on pourrait peut-être se revoir. Qu'est-ce que t'en penses? On l'a adopté. Ça fait 10 ans et... C'est vrai, vous l'avez adopté? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Notre fils Jonathan est allé faire un trekking au Népal. Il a attrapé une mauvaise fièvre et ils nous ont dit on a tout essayé. Notre fils est mort. Je vous demande pardon. Non. Depuis que Jonathan nous a quittés, Cooper est tout ce qui nous reste. J'ai dû lui passer trop de caprices. Vous comprenez? Oui. Kit? C'est Kit? C'est lui? Kit? J'ai trouvé un endroit où on pourra se mettre à l'abri. Il y a toujours une chance. On reste bien tous ensemble, hein? Continue à avancer. D'accord. Charge. Oui. J'ai la nuque brisée, c'est ça? Ouais. T'as pu trouver la cabine? Oui, elle est... Ouais. Faut franchir tout un passage sous l'eau, c'est très difficile. Je crois qu'avec un peu de chance, on y arrivera. Mais peut-être... Bon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te le dire. Tu vas y aller sans moi. Non, c'est idiot, sort de question. Je t'emmène. Avec une nuque brisée. J'ai besoin d'un peu de temps pour trouver comment ça c'est vrai. Juste un peu de temps. Hé, rends le bracelet pour moi. S'il te plaît.
te laisserai pas. Prends-le. Je ne te laisserai pas. S'il te plaît. Non. Prends-le. S'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi cette main. Donne-moi cette marque de respect. Mon Dieu, il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire. J'ai jamais eu une belle bagnole. J'ai jamais eu d'enfant. Enfin, je tombe sur une femme que j'aime. Et là, j'ai même pas le temps de lui dire que je l'aime. Tu crois qu'elle est au courant? Oui. C'est vrai que tu crois? Oui, elle le sait. Elle le sait, je t'assure. C'est bien. Tu les ramènes vivants. Ramène-les à la lumière du jour. Et pour moi, dis que je suis parti. Tu as fait de ton mieux. Tu le sais bien. Et je le sais aussi. Je te demande pardon. Où est Cooper?
échappé. C'est brisé. Il m'a échappé. Je n'ai pas réussi. Et j'ai pourtant bien essayé. J'ai essayé. Je ne veux pas couper le Seigneur. Non. Non. C'était le chien, le Jonathan. Écoute-moi bien. Arrête. Écoute-moi. Cooper et Jonathan ne reviendront pas parce qu'ils sont morts. Il n'y a rien à faire contre ça. Il faut maintenant qu'on pense à nous. Laisse-les où ils sont. C'est pas la peine de se battre. Serre-moi. Serre-moi.
Dieu! Mais les 6 clébards! Mais les 6 contre clébards! Tu vas la fermer ou je t'éclate? Thank you.
êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre? Oui, le trou est rempli d'eau. Tout le monde est sorti. Personne d'autre? Fichez-moi la paix. Ça va? Ça va? Vous n'avez besoin de rien? Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va, monsieur. Ça va. T'as rien? Tu n'as rien, je suis contente. Thank you.
maison. Bienvenue, chef. Laissez passer, s'il vous plaît. Dégagez le passage. Stop. Arrêtez. Stop. Prenez attendez. Stop. Grâce. Ça y est, on est presque arrivé. C'est bon. Allez, les gars, mettez-le dans mon ambulance. En ambulance. C'est bon. Doucement. On y va. Comment va tous les deux à l'hôpital? Je vais venir avec vous. Vous n'avez rien de mieux à faire? Étant donné que j'ai plus de maison, que j'ai plus d'argent, plus de voiture, et qu'en plus je suis pas maquillée, je vais venir avec vous. À une condition. Ah oui, laquelle? Je veux qu'on prenne le pont.